autoroute nazie qui mène au front africain. Putain d'assassin. Oh putain. Le train de Gibraltar. T'as entendu Blasco? Attends. Déployer la métasphère. Ah oui, mais allez. Ah! D'accord. Ah oui, la fameuse grosse boule. Comment dire, c'était quand même un petit peu violent. Et ce chargement aussi va être violent si ça continue. Oui. Oui, bah il n'y en a pas 50. Ah bah oui, tiens, comme ça on va devoir traverser tout le truc. En lieu sûr. Allez, il est sympa son lieu sûr. Hein ? C'est sérieux ? Ah bah bravo ! Vaux. Ah d'accord, on a même pas de mort. Pff, allez hop, direct dans... D'accord, ils s'en foutent. Bah oui, mais moi je veux bien sauter, mais bon, il s'accroche pas le mec. Oui, merci. Allez, ah, on a encore le pont. Attends, j'ai raté quelque chose là. Ah non, c'est bien là. Non, mais mec, c'est pas possible. Ah oui, c'est con comme mort. 500 essais plus tard, on va y arriver quand même. Hein. C'était quoi le plus dur dans la mission? Ah bah fallait sauter 500 fois, c'était vraiment hyper chiant. Non mais sérieusement? Oui je le vois, ton putain de wagon! Et pourquoi est-ce qu'il saute pas ce con? Mais tu ne me déposes pas en lieu sûr, ça craint! Oui, oui, oui! Oh mon dieu, bien joué Blaskovic! Oh mon dieu. Ah. William, c'est bien fait. D'après le protocole, le scientifique en chef du boucher porte un uniforme entièrement blanc. Bien, Blaskovic. Trouve un nazi qui porte un uniforme blanc et vole ses papiers d'identité. C'est ton billet pour la base lunaire. Ah oui, c'est vrai qu'on doit aller sur la Lune. Ah. Voilà ce que Ramona a écrit. 11 septembre 1941. Toujours vivante. Plus de bébés nazis. Lundi, je retourne au travail. J'ai des patients à soigner. J'ai des nazis à tuer. Décidément, sa cousine, elle avait vraiment du cran, hein, putain. Oh là. C'est l'Africa Corps des années 60, là. Non mais... Blaskovic, ne fais pas le plus con que t'en as l'air, s'il te plaît. Reprends-toi, tout va bien, Blaskovic. Tout va bien. Ok, tout va pas bien. Ne fais plus des peurs comme ça, Blaskovic. Plus jamais. Alors, couteau, je prends. Non, mais pas genre maintenant. Oh là là. Oh. Oh, ça, c'est magnifique. Alors ça. Ah ouais. Ah, ça, c'est chouette. C'est très très chouette. Un putain de lance-roquette. Par contre, ouais, si on nous donne autant de trucs, c'est... Non, c'est pas une bonne chose. Je ne le sens pas du tout. Merci. Oui, putain, ils se sont fait massacrer ici.
Allez, petit tour du proprio. Et puis attention, c'est deux wagons quand même, hein, donc là, ça ne rigole plus. Alors, c'est bon, on a tout. Allez, on s'en va. Ok. Alors, Blaskovitch, on évite les sauts inutiles, hein. Soldat lance-roquette. Oh putain. Attends, c'est ça le truc. Oh putain, la vache. Mais putain, mais c'est pas possible. Ça se casse cette merde. Oui. Ah, c'est cassé là. Ah d'accord. Il se passe un truc chelou. Le stress là, les mecs, je suis sur une vieille poutre. Oh, comme c'est triste. Vraiment. Non, vraiment les gars, je compatis. Si je me casse pas la gueule et que je vous rejoins pas, normalement. Mais merde, putain. Ou alors faut pas y aller. Bah si, vous l'avez eu par où? Putain. Allez, maintenant je fais quoi? Ah bah maintenant j'ai l'air con. Là, on peut pas aller là-bas. Non. Il s'accroche ou pas? Je me souviens plus. Ça sent la connerie là quand même. T'as fait plus loin comme ça, Blaskovitch, mais en même temps, si tu vas là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de sortie de secours. Hein. Concrètement. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est? Du pompe, du soin. Ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Et je crois qu'il y a un pas beau, en fait, là, à l'intérieur. Et il a pas l'air. Ah! Il est en kit. Tout va mieux. Merci. Non, ça fait vraiment plaisir, les gars. Là, concrètement, ça fait vraiment plaisir. Non, évitez de me ressortir des tourelles, par contre. Parce que là, j'en peux plus. Hein? Ce bruit là, il est angoissant. C'est quoi? C'est un chien? C'est un T-Rex? Ça, c'est une voiture. Enfin, c'était une voiture. Ah, ça, c'était un nazi. C'est pas mal, il y a de tout qui tombe. Oh putain. Alors ça. Et avance en direction de la métasphère. Ça. Ça devrait doucement. Être rapproché de la cible. Ne te casse pas la gueule. À peu près. Ne te casse pas la gueule. Range-moi ça. Alors. Ça on a déjà bouffé, c'est bon. Là tu ne tombes pas dans le vide. Tout va très très bien. Putain, mais elle en a tué combien en vrai? Attends, oui, hein, c'est simple, il suffit de compter le nombre de journaux. Journaux plutôt, pardon. Putain, c'en est fait 15 quoi. Enfin, 16 si on compte son enfant. Voilà, ça devient putain complètement horrible. Mais ils ont des hélicos, c'est à nous l'hélico. Mais j'espère. Pas d'intérêt, hein. Ah putain, il a fini en charpie le mec. Ouais, les codes. Les codes, yes. Eh non, mais c'est. Ce vieux Klaus Carter là, j'aime pas du tout. Y'a des trucs qui arrêtent pas de se casser la gueule, y'a le truc qui buffle. Oh là 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 là. Hartung, Hartung, Panzerhund. Y'en a un qui s'est barré à tous les coups.
Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est une très mauvaise idée. 9 juillet 1943. Le nazi a l'air d'être fait de porc grillé. Je l'ai découvert après en avoir brûlé 9 à Neuf, ah bah l'intérieur dis d'un donc. établissement de nuit. C'est fou ce qu'on peut faire avec des cadenas et de l'essence. Papa a reconnu l'odeur de gasoil sur ma veste. Je lui ai menti. Il ne doit rien savoir. Il est trop sensible. Ok, ça continue à en avoir que plus que moi. Oh, mais Madame Ramona a des ressources, hein, y a pas à dire. Putain, mais c'est pas vrai! Oh putain! On a les mecs de la confrérie de l'acier, mais nous voilà dans Fallout! Et bon! Toi par contre. Non, tu meurs! Viens ici! Tout le monde se calme. J'ai dit tout le monde se calme, on se calme. Arrêtez. Eh putain! Putain, ça fait chier. Je dois m'inquiéter là où? Une tourelle, c'est ça? Oh putain. Te calme la tourelle, ça suffit. Ah, c'est calmé. Eh ben putain. Alors oui, on va pas faire le mariole quand même, hein. On est au 12e chapitre. Les petits ennemis tranquilles au couteau, c'est fini. Oh, les codes. Eh ben, puisque c'est fini. Ah oui, ils ont eu un sacré problème à l'étage. C'était wagon avec toit ouvrant. C'était pas mal. Non mais putain. Laskovitch, arrête de perdre de la vie. Alors, ça je dis pas non, mais il a une armure où... Oh, je peux avoir la même. Parce que là franchement. Sympa l'armure, hein, y a pas à chier. T'envoies. Ah ouais. Ah mais ça y est là, on a l'élite de l'élite là. On a les mecs sur la jaquette là. C'est fini la plaisanterie là, hein. La promenade de santé, c'est terminé. Monter ou... Oui. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors 2 minutes. Déjà on fait un petit tour du proprio. Hop hop hop. Les greux, ça on va garder. Ah ouais, non mais faut qu'on leur dise aux gars là, faut qu'on change mon uniforme, hein, ça va plus. Allez. On peut le faire. Oui. Alors là, il y a une caisse déjà ici. Et d'accord, je vois. Je comprends mieux. Du coup, je vais pouvoir abandonner. D'accord. C'est gentil de le faire à ma place. J'ai le droit quand même de choisir si. Alors, on va prendre. Hop. Le pompe. Ouais, c'est bon. Ah, ce petit lance-roquettes, franchement, il n'y a pas à dire, c'est sympa. Ouais. Ouais, enfin... Je le sens pas. Oh putain. Ah oui. 4 juillet 1944. Le nazi a l'air d'être un grand romantique. Je l'ai découvert après lui avoir défoncé le crâne
à coups de marteau quand il s'est agenouillé pour ramasser mon gant. Si j'avais été un garçon, papa m'aurait appris à me servir d'un fusil. Mais non, on m'a appris à soigner les malades et à écrire. J'aurais tellement voulu connaître un soldat. Il aurait pu me montrer comment occulter les remords. Il m'aurait comprise. Alors compris, je sais pas. Enfin, après occulter les remords surtout, là, c'est... Ah ouais, non, mais je sais pas si on va la retrouver, mais il y a des requêtes. Et là, évidemment, on va faire un trou dans la grille. Alors, Ah, voilà, c'est ça. Heureusement que j'ai pris une batterie. Oh, mais... C'est relié, là. Merci. Bah, d'accord, le mec, il a arraché le grillage. Il pouvait pas faire ça de base. Puis franchement, vu l'épaisseur, à mon avis, tu peux le plier, le truc. Putain! Je l'ai pas vu venir. Et en plus, c'était un petit, quoi. Oh putain, il m'a fait peur, ce con. C'est à nous, ça, hein? Oui. Oh le 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 le. Oh ouais, tu te fous de la gueule du monde? Oh non mais le mec, il est peinard dans son hélico, moi je me coltine tout le travail et puis lui... Ouais non mais attends, il est nazi partout, c'est vraiment plus que c'était. Franchement ça craint. Non mais, il y a un des wagons, ça va se... Super, j'ai raté l'armure en plus, ça va se péter la gueule, le... Oh là, il y a des boches là-bas. Alors, pas de bêtises. Hop. Ah non! Mais dis pas l'os, j'ai rien fait. Faut pas aider le Panzer Round là. C'est une très mauvaise idée. Non parce que, ben voilà, voilà, parce que concrètement derrière, c'était vraiment une connerie, hein. Mais saute, saute du con. Plus de balles. Sérieusement, c'est quoi cette arme? On voit rien, il est où mon fusil à lunettes? Mais ah non, ça c'est pas un fusil à lunettes. Non, sérieusement, c'est pas facile les Allemands avec cette merde. Puis l'hélico, tu peux pas bombarder un peu? Franchement, on aurait pas pu faire un passage au minigun, quoi. On a tellement nettoyé la zone, là, on allait direct... il me larguait direct au-dessus du Nautica, la locomotive de mes couilles, là. Et puis voilà, il y a pas de problème. Ah d'accord, il y avait un mec, quoi. Mais il est toujours coincé! Mais enfin, faut l'achever. Je m'en occupe après. J'allais dire tu bouges pas, mais dans ton état. On se calme sur les roquettes, hein. Oh, ça suffit, hein. Il s'est trouvé le petit spot là. Bah. Ah bah je vois plus rien moi, il est où? Ah. Oh mais ça suffit!
Ah, tu la remets de moi là. Bon, il est toujours en vie lui? Bon, là je crois qu'il l'est plus. Un lapin en or. Ah bah oui, c'est un concept. J'ai plus de mine avec ces conneries. Hein. Oh putain, c'est pas possible. Eh putain! Quand il n'y en a plus, on a encore! Ah oui. Des mines. Sur les remparts, c'est pas vraiment les remparts là qui m'ont dérangé jusqu'à l'heure actuelle. Oh putain! Mais en plus ça passe à travers! On se calme! C'est plus un poste de contrôle là! Ah oh, putain! Bon, on va y aller aux roquettes, hein, y a pas le choix. D'accord. Non, va te faire en... Enfoiré, enfoiré. Allez. C'est plus beaucoup de faire. C'est bon, ça y est, enfin. Après 500 essais. Ok, bonjour monsieur. S'arrêtera jamais hein. On va pas vraiment se faire chier, on va aller raise, enfin raise n'importe quoi, on va aller chercher Oh mais allez, putain, puis il est pas endurant ce Blazkowicz. C'est bon. On va aller chercher des... Ah bah tiens, suicide toi. Facilite le boulot. Hop. Hop. On va pas s'emmerder. Il est bien réactif à ça ce con. Eh, il y en a eu, hein, putain, franchement. On commence très très fort ce niveau. Faut pas se mentir. Aïe 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 aïe. Là concrètement, c'est dommage d'arriver si loin. Mais encore heureux, le point de contrôle reprend juste ici. J'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Ah, ça se complique, hein, forcément. Là, on le ressent bien la difficulté. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Si tout le monde veut être désintégré, y a pas de souci. Hein.
Alors. Putain, alors, je sais que dans ces caisses. Hop. Moi, il y a du loot. En train de m'étrangler en plus. Super. Ouais, ici aussi. Là, on va pas. Voilà, parfait. Donc, il s'étrangle en direct. Ouais. Pourquoi est-ce que j'aurais dû m'en douter? Ah, c'était vraiment histoire de me casser les couilles, hein. Je dis pas non. Mais non, mais il me coupe ça en carré, lui. Eh voilà, qu'est-ce que je disais? Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, concrètement. Pas trop magnifique ça. Le problème c'est que je sais pas si je peux ninja. Vraiment le gros problème. Ok. Ah! Oh putain! Je crois que ça répond à ma question. Ça y est, je sais. Allez. Alors. Un petit peu de stratégie n'a jamais fait de mal. Est-ce qu'on peut passer à une discrétion totale? Je suis pas sûr. Après, le problème c'est que lui. Ah bah si. Ah ah. Ah non, j'arrête de jeter des couteaux partout. T'avais déjà prévenu. Hop. Si on peut être discret, honnêtement, moi ça me va. Tu vois, le gros bourrinage. Alors, non pas que c'est pas sympa, hein, mais vu que ça devient coton. Voilà. Casser celle-là. Allez, go dans l'escalier. Un peu le boxon quand même en bas. Merde.
Ah, des roquettes. Ça, je prends. Ça, c'est triste, par exemple, hein. Je crois qu'au niveau des morts les plus stupides, là, on est là, là. On est ici, là, vraiment très très haut. C'est pas possible, quoi. Le gars, il te passe le truc, et là, il tombe. Il suffit d'un putain de centimètre, et il tombe dans le vide. Non, mais c'est... Oh, putain. Non, mais c'est pas croyable, quoi. Aïe, aïe, aïe. Allez, sauter dans le vide, deuxième. Alors, on va éviter, concrètement. Non, mais alors, ça... Eh, franchement, le pire... Y a que deux endroits pour tomber ici. Hein. C'est là où on voit que c'est vraiment pas fait exprès. Allez, on évite. Et tu sais quoi, on va sauter à gauche. Et genre là, le mec il se fait électrocuter quoi. Hop, hop, allez, boum. Bout du rouleau avec ce personnage là, ça y est, j'en peux plus là. Alors, on revient au même endroit, sympa. Je sais même plus où on doit aller en plus. Il me dit faut aller à la plateforme, machin. Je sais même plus où c'est. Bah, faut prendre l'escalier, non? Bah oui, bah alors, qu'est-ce que tu me fais chier? Hop. Ouais, alors ça, c'est l'escalier version rapide. Tu le sens, là, le gros fail? Oh putain, il est con, il m'a fait peur. Mais putain, il m'a fait tellement peur. Ah! Et il a une de ses gueules. Ouf. Oh. Merci. Oh. Yes. 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 Mais alors toi, c'est pas les cinglés qui mangent. Ils ont une grande gueule. Et jamais rien derrière. C'est ça que j'aime, Francesco. T'es le plus taré de tous. Et t'as pas peur de nous trouver. Toi, t'es né pour buter les nazis. Allez Blasco, au boulot. Descends. Ouais, alors tu vas te calmer tout de suite, parce que déjà, je fais un peu le ménage. Ok, je fais plus le ménage. Mais putain, lâche ça! Oui, mais non, mais en fait, j'ai pas... Enfin, comment dire... il a pas voulu continuer de tirer, du coup, bah, c'était foutu. Parce que là, le Panzerhund... Le gros Panzerhund, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, mais tu vas pas nous refaire ton speech. Tout ton speech, putain. Ah, c'est sympa de me filer la carte après. J'en ai vu des andouilles dans ma carrière. Des morveux avec plus d'assurance que de bon sens. C'est pas les cinglés qui mangent. Ils ont une grande gueule. Mais jamais rien derrière. C'est ça que j'aime, chez Francesco. T'es le plus taré de tous. Et t'as pas peur de nous trouver. Ah non, mais... Pour buter les nazis. Allez, Blasco, au boulot. Descends. Oh putain! Le wagon du Nautica est juste entre vous. Oh la vache! Oh le truc de santé il est là! Oh bah non! Putain, il a une batteuse! Ah bah oui, mais faut arrêter là! Et c'est un magnifique duel qui s'enclenche contre le monsieur fusil à pompe. Eh, tu vas crever, oui! Et c'est la victoire de Blaskovic. T'es mort, connard. Eh putain, leurs armures, mais... C'est violent, quoi. Alors, j'avais dit que le truc de santé était ici, et on est très content. Mais putain, espèce d'autiste.
Voilà. Et on a la statue. Yes. Et ça, ça fait plaisir. Il me semble qu'on en a raté une. Et on peut plus se permettre d'en rater concrètement. Alors, le wagon est juste là, mais quelque chose me dit que ça va pas se terminer aussi facilement. Et on s'en branle, ils vont se faire foutre. Ah! Ne nous tirez pas dessus! Courez! Ça fait bombarder la gueule et je sais même pas où je dois aller. Ah bah maintenant je sais. Ah. Aïe. Le v'là le wagon. Alors Helmut, tu es mort ?